leur guide et son assistante, il y aurait eu un trafic de drogue. En fait, je pense qu'il y a eu de la drogue qui a été trouvée dans leur bagage. Et c'est ce qui a fait que tout le groupe a été retenu dans nos enfants. Sa complice, en fait, était même en train de dire à ma nièce, quand tu descendras, est-ce que tu pourras prendre mon sac à main? Elle aurait pu faire passer son sac à nos enfants pour qu'ils les ramènent, eux, sans qu'ils sachent qu'en fait, dans le sac, il y avait de la drogue. On est très en colère, on a une très grande famille, mais là, on est tous très en colère parce que loin de nous, et en plus, ils n'ont pas d'endroit où crécher, puisque quand ils sont sortis de douane, tous les bureaux étaient fermés, il n'y avait plus rien, ils ont dormi dans l'aéroport toute la nuit. Ils ont été fouillés, ils n'ont rien, ils ont été interrogés, ils sont sortis de là-bas, c'est nickel pour eux, ils n'ont vraiment rien. Leur guide et son assistante, il y aurait eu un trafic de drogue, en fait, je pense qu'il y a eu de la drogue qui a été trouvée dans leur bagage. Et c'est ce qui a fait que tout le groupe a été retenu dans nos enfants. Sa complice, en fait, était même en train de dire à ma nièce, quand tu descendras, est-ce que tu pourras prendre mon sac à main? Elle aurait pu faire passer son sac à nos enfants pour qu'ils les ramènent, eux, sans qu'ils sachent qu'en fait, dans le sac, il y avait de la drogue. On est très en colère, on a une très grande famille, mais là, on est tous très en colère parce que loin de nous, et en plus, ils n'ont pas d'endroit où crécher, puisque quand ils sont sortis de douane, tous les bureaux étaient fermés, il n'y avait plus rien, ils ont dormi dans l'aéroport toute la nuit. Ils ont été fouillés, ils n'ont rien, ils ont été interrogés, ils sont sortis de là-bas, c'est nickel pour eux, ils n'ont vraiment rien.